Il y a très longtemps, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en histoire médiévale sur un château fort dans les Vosges. Alors le but du jeu, c'était finalement de faire une photographie des bâtiments et du lieu par rapport à ce qui restait, parce qu'il était évidemment en ruine, hein, donc il y avait un travail en archive et puis de relever sur place. Donc le but du jeu, c'était de refaire une photographie du château au moment de sa destruction, et puis de voir les différentes parties construites en fonction des époques. Voilà, donc j'ai un peu de connaissances, on va dire, en histoire médiévale et en système de défense. Donc aujourd'hui, on va faire un petit topo sur le survivalisme, mais pas n'importe lequel. On va revenir sur ce que faisaient nos ancêtres. On va faire du survivalisme médiéval. C'est parti! Alors, je me trouve aujourd'hui aux confins des Yvelines, à la limite d'une région qu'on appelle la Beauce qui est traditionnellement le grenier à blé de la France. Alors, pourquoi je vais parler de survivalisme médiéval, entre guillemets, hein ? Bah, déjà, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma volonté d'acheter un bateau. Et puis, une des raisons, c'était cette possibilité d'utiliser le bateau dans le cadre du survivalisme. Voilà. Donc, ma réflexion par rapport à ça, c'est que dans le cadre du survivalisme, il y a quand même des choses qui sont plus adaptées que d'autres. Alors, si on considère déjà le lieu d'habitation, si vous vivez en ville dans un appartement, ça ne va pas être simple à faire. Et même si vous vivez en banlieue ou à la campagne, dans un pavillon style années 70, c'est pas vraiment adapté pour ça à mon sens. Donc ça a été mon option pendant un certain temps. C'est vrai que j'ai vécu dans un vieux presbytère, hein, donc vieux cours de bâtiment, dans les Yvelines. Alors un vieux bâtiment qui est finalement bien adapté à ce genre de choses. Et mon option maintenant, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, parce que je considère que on est plus efficace quand on est seul, en étant mobile. Voilà. C'est comme dans un combat, finalement, si vous êtes lourd, vous avez plus de chances en restant enraciné. Et si vous êtes léger face à un plus lourd, il vaut mieux plutôt être mobile et esquiver le truc. Donc ça, c'est plutôt mon option actuellement, cette mobilité. Voilà. Alors ça n'exclut pas le fait, évidemment, de pouvoir se préparer un minimum et d'avoir chez soi de quoi subvenir à ses besoins à l'espace de quelques jours. Mais vous aurez quand même, à mon sens, un problème lié à la défense. Voilà, et ça, c'est un problème majeur. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un petit peu, j'essaie de faire un petit panoramique de la région où je me trouve. Juste derrière moi, vous avez une énorme ferme. Voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle ça du survivalisme médiéval, entre guillemets, parce que je voulais vous montrer un petit peu la configuration du lieu. Donc on a dans cette région, là où je me trouve actuellement, de grands champs, des champs immenses. C'est là où les agriculteurs cultivent, font toute leur récolte de blé, entre autres. Et surtout, on a ces immenses corps de ferme que vous pouvez voir juste derrière moi. Donc celui-ci, là, il est en pleine campagne. Hein. Mais vous avez la même chose à l'entrée de villages, hein, des villages qui se trouvent ici. Alors comment c'est organisé ? Ce sont en général des gros corps de bâtiments qui sont regroupés et qui forment un carré, donc avec des murs très hauts et puis une entrée principale. Il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Alors ça, en termes de défense, c'est nickel parce que tout s'organise autour de la cour centrale et vous avez des murs très hauts qui font tout le contour finalement de l'espace et des corps de bâtiment sans ouverture. Donc ça, c'est quand même, en termes de défense, c'est quand même nickel parce que autour de cette cour centrale, en général, ces gens-là étaient autonomes. Alors bon, maintenant, ils étaient autonomes en eau, hein, notamment. Alors maintenant, les puits, moi j'en avais un dans ma propriété, hein, et ce puits était évidemment condamné, hein, était rebouché. Mais ça, dans le cadre du survivalisme, ça me paraît fondamental, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir son autonomie en eau, ça paraît fondamental. Et le deuxième point fondamental, c'est la capacité de se défendre. Alors, évidemment, ce type de propriété, ça fonctionne bien quand on est plusieurs dessus. Hein. Évidemment, si vous êtes seul, ça va être compliqué, vous aurez le même problème. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut changer de paradigme et que finalement, la vie sous forme de tribus, entre guillemets, ou de plusieurs familles
qui s'organise autour de ces unités, à la fois de production et de vie, où vous mettez en commun votre savoir-faire, vos capacités de défense et d'organisation interne, à condition de bien s'entendre, évidemment, on est d'accord, mais c'est ce qui me paraît le plus viable. Parce qu'en termes de défense, si on se met dans le cadre du survivalisme pur, il faut observer ce que faisaient nos ancêtres, finalement. Hein. Et donc, seul, ça va être compliqué. Hein. Ou alors, vous êtes dans une formule, comme je l'ai mentionné la dernière fois, où vous êtes mobile. Parce que le but du jeu, c'est celui-là. Si vous n'êtes pas enraciné, donc à plusieurs, pour pouvoir, sur un espace comme celui-là, en organisant les tâches, survivre et vous défendre, seul, ça va être très compliqué. Dans un appartement, c'est compliqué. On sait très bien, à l'époque de nos grands-parents, les gens qui vivaient en ville vivaient moins bien que les gens qui étaient à la campagne. Hein. Parce que quand vous regardez un environnement comme celui-ci, voilà, vous avez des champs partout. Donc évidemment, il y a des lapins qui courent partout. Donc vous pouvez aussi vous procurer de la viande aussi, entre autres. Hein. Entre autres, par rapport aux légumes et qui poussent évidemment aussi ici. C'est difficile sur le béton parisien, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces bâtiments. En termes de défense, ça me paraît nickel. Et puis, ce qu'on trouve aussi beaucoup dans la région, ce sont des souterrains. Alors, vous avez deux types de souterrains. Vous avez la première catégorie qu'on imagine volontiers dans l'inconscient collectif. Ça va être des souterrains qui mènent à un point A, d'un point A à un point B par des galeries. Donc, on a ça aussi ici, effectivement. C'est truffé de souterrains. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des souterrains refuges. Alors, je vais vous faire une petite visite guidée de l'ancien presbytère que j'occupais encore pas si longtemps que ça, parce que moi, j'avais aussi des souterrains dans cette propriété, et j'avais notamment, un souterrain refuge. Donc, on va faire cette visite guidée ensemble, parce que nos ancêtres n'étaient pas fous, ils avaient déjà tout prévu, et effectivement, la possibilité de se mettre à l'abri, s'il y avait un souci, une incursion étrangère ou un problème de sécurité directe. Donc on va faire un petit tour ensemble, une petite visite guidée. Vous allez voir, c'est assez instructif. On continue de descendre les escaliers. Alors attendez, avant de faire le point de vue global sur la descente, là il y avait aussi également une sortie qui donnait sur l'extérieur, comme la plupart des vieilles caves, donc qui a été murée, enfin que j'ai murée. Et là on se retrouve, je viens d'allumer ma lampe, voilà, on y est, et on descend dans la fameuse cave voûtée dont vous pouvez admirer tous les contours. Dans le film que j'ai fait avec mes enfants, Bienvenue à Attonville, le film, fameux film d'horreur pour Halloween. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les marches, voilà, on va descendre, ça descend à pic. On doit bien être à 3 mètres sous la surface du sol, voilà, de l'extérieur. Donc là, on est à l'intérieur, on ne voit pas grand-chose. Hein. Voilà, on est à l'intérieur de la cave. Je ne sais pas si vous voyez là, donc là, il y a une cavité creusée dans le mur. Vous regardez les fameux escaliers que l'on vient d'emprunter, qu'on vient de descendre, voilà, avec la sortie extérieure. J'essaie de vous montrer un petit peu l'espace. Donc, c'est une cave qui est complètement voûtée. Voilà. Voilà. Donc là, on a le sommet de la voûte. J'essaie de vous montrer un petit peu. Là, on a une ouverture. Il s'agit de pièces en enfilade, en fait. On doit être à 3 mètres sous le sol. Et on a ces pièces en enfilade. Alors là, vraisemblablement, quand on voit la maçonnerie, on a affaire à une maçonnerie de briques qui doit dater du 19e siècle, grosso modo. Donc sur un bâti existant assez vieux, on dirait un souterrain refuge finalement, parce que bon, la région est blindée de souterrains et la maison n'échappe pas à la règle. Hein. Il y avait effectivement des souterrains ici. Et là, on a un truc qui est quand même assez extraordinaire. On dirait un vieux lavabo, en fait, avec une évacuation d'eau. Bon, je ne sais pas si vous voyez, là, je poursuis le mouvement de ma lampe de poche. Voilà, donc là, avec une sorte d'excavation d'eau. Si je me penche par-dessus ce fameux lavabo, voilà, là, on a une évacuation.
juste ici, le trou au milieu là. Donc, je ne sais pas ce qu'ils devaient faire là-dedans. Bon, peut-être évacuer de l'eau. Peut-être que c'était un souterrain refuge. Les gens se cachaient là-dedans lorsque les grandes compagnies, lors de la guerre de 100 ans au Moyen-Âge, investissaient les bourgs et les villages pendant 2-3 jours, histoire de piller des paysans, violer quelques paysannes et choper quelques piécettes de cuivre. Donc les gens se cachaient dans ce genre de refuge. C'était fait pour tenir 2-3 jours. Donc on se cachait avec des animaux et puis on essayait de subvenir à ses besoins en attendant que les troupes s'évacuent. Alors ça peut être ça, ça peut être également un souterrain qui menait à d'autres lieux. Il y a une ferme juste à côté, il y a des souterrains ici qui mènent jusqu'à la ferme. Là on a une sorte de puits de lumière, un puits d'aération là, qui s'engouffre jusqu'à la base du terrain, 3 mètres plus haut. C'est assez extraordinaire. Et là, on va pénétrer dans l'autre salle, voilà, à l'intérieur. Alors, je vous laisse regarder. Là, on a des sortes de cavités au sol. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Voilà, on dirait une table, une sorte de table basse maçonnée avec à l'intérieur de la pierre maçonnée en arc, en arc voûté. Voilà, donc on en a deux face à moi là, et puis une de part et d'autre. Voilà. Et si on regarde bien, pareil, juste au-dessus là, donc on retrouve la voûte en haut. Voilà. Voûte en berceau, incurvée, assez pointue d'ailleurs. Et derrière, eh ben, il doit y avoir une autre salle parce qu'on a la cuve de fioul pour chauffer la maison, qui est située exactement là, de l'autre côté de ce mur. Voilà, alors le survivalisme, bah, c'est un petit peu comme les sports de combat, hein. Si on est, on est toujours dans la psychose, on fait rien de bien. Le truc, c'est d'essayer de prévoir, mais d'arrêter de se nourrir de trucs catastrophes pour faire vraiment et mettre en place vraiment les systèmes qui fonctionnent. Donc, à mon sens, si vous êtes toujours un petit peu dans le cadre classique avec votre famille, etc., moi, je pense, un peu comme dans mon cas, hein, moi, je suis un loup solitaire, donc... je pense que la mobilité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon, en ce qui me concerne, ça sera plus a priori le bateau. Mais pensez à votre mobilité avant de vouloir vous enraciner sur un lieu. Parce que si vous êtes seul, dans une configuration géographique qui est peu propice, évidemment un appartement en ville ou alors une petite maison, un petit pavillon dans une banlieue ou même à la campagne, ça va être difficile de pouvoir survivre, même en termes de production. Vous n'aurez pas d'eau, vous n'aurez pas la possibilité, au-delà de votre petit potager, de pouvoir cultiver votre terrain et de pouvoir en vivre. Et puis surtout, en termes de défense, ça ne va pas du tout être jouable. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc, soit vous alliez vos forces sur un espace géographique comme celui-ci, qui est quand même le plus viable à mon sens, soit vous jouez la mobilité. Et à ce moment-là, ça me paraît beaucoup plus viable. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit topo aura été instructif. Et je vous dis à bientôt.